Et le Paris Saint-Germain qui va donc recevoir le Barça, favori ou pas favori? Que disent les bookmakers? Ils se disent que Paris est favori dans ce match aller. 1,93 pour la cote du Paris Saint-Germain, 3,60 pour celle de Barcelone, 3,78 le nul. Et Paris qui reste sur une bonne dynamique. Paris invaincu depuis 27 matchs, 19 victoires et 8 nuls. La dernière défaite du PSG, c'était en novembre, c'était face au Milan AC, à l'AC Milan, pardon, en phase de poule de la C1 le 7 novembre 2023. C'est pas bien grave, on va pas vous en vouloir pour tout ça, c'est pas bien grave, Jérémy. Je vous pose maintenant la question pour la qualif et pas pour le match de mercredi. Le PSG est-il favori? Ça dit oui pour Camille Macali, ça dit oui pour Vikash Dorasso, mais il hésite. Ah oui, c'est un oui clair, net, massif, précis dans toutes les langues d'Europe pour Swan Borsellino. De l'autre côté, Pierre Maturana, c'est un oui. Ludo nous donne carrément un pourcentage plutôt Barça. 55-45, avantage Barça. 50-50 pour c'est un troll. Non, mais vous savez, Ludo, c'est un gamin. Donc, avant, il dit... Oui, non, je sais pas, 50-50. Il commence l'émission, mais 55-45. Michael, je vous sens dans les spectatives. Là. Vous le... Déjà, vous êtes gêné par le deux maniaques. J'espère qu'après, ça se vérifie. Et comme ça, il pourra dire, j'ai sorti 55-45. Non, je fais une Vikash. En fait. C'est pour les caméras, ça. C'est-à-dire, je fais une Vikash. C'est-à-dire que vous hésitez pour prendre ou parler à la fin, tu... Vous voulez... Ah oui, c'est vrai, vous voulez quoi, le début ou la fin? Vous voulez être dans les cordes et répondre ou commencer? Non, je vais prendre. Prenez la main. On n'est pas question pour un champion. Voilà, c'est clair. Tu prends la main. Attention, je suis un ancien champion polonais. Et après le football, à Robert Lewandowski. J'ai peu joué au Werder de Brême. J'ai été formé au FC Metz. Je suis une légende de Lille en m'ayant un coup franc volontaire. Tu repars chez toi avec un livre de Vincent Duluc. Je vous permets pas sur le Werder. Vous avez joué quoi, 3 matchs? Non, vous connaissez pas l'histoire. Mais vous avez joué 3 matchs quand? Non. Je peux même pas vous demander un maillot dédicacé, vous n'en avez échangé aucun. 3 mois. Bon, parlez-moi de ce PSG Barça. Écoutez, j'ai mis du temps. Non, j'ai mis du temps à dégager un pourcentage parce que je voulais faire comme tous les autres finalement. Dire, ouais, c'est à peu près, ça va se jouer à 50-50. Calmez-les, expliquez-leur la vie. Voilà. Mais sur la seconde partie de saison, il faut dire qu'on voyait Xavi mal engagé et depuis qu'il y a eu les critiques qui sont tombées assez lourdement sur le fait qu'il devait partir et lui a pris la main en disant, vous voulez que je m'en aille, je vais partir. Donc c'est acté, je pars. Et depuis cette décision-là, il y a un inversement de la tendance et de la courbe du Barça, et notamment sur l'implication et le niveau de certains joueurs. Il y a un Lewandowski retrouvé, il y a un Gundogan retrouvé, il y a des petits phénomènes. Lamine Yamal, attention, c'est très, 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 très fort. Donc moi, je regarde un peu attaque-défense. Je pense que le Barça... est un tout petit peu plus en avance au niveau de l'attaque en termes de talent. Et je trouve que sur la défense, le PSG est un tout petit peu plus solide parce que le Barça, c'est mi-figue, mi-raisin. Vous êtes en train de me l'exciter, là. Alors, si vous me dites que l'attaque du Barça avec João Félix, Lewandowski, Lamine Yamal, Firmin Lopez et compagnie, et vous me dites que c'est meilleur qu'actuellement au Kolo Muani et Ramos. Non mais d'accord, il y a peut-être Mbappé. Non mais excusez-moi du peu. Non mais vous citez les titulaires de la Coupe des remplaçants de l'autre. On a des ballons d'or en puissance. Lewandowski, Mbappé, on les annule. Allez hop, ça c'est terminé. Après, Joao Félix, Dembélé. C'est vous qui annulez, c'est pas nous. Joao Félix, Dembélé, ça se tape. Non, cette année. Non mais là on est d'accord avec toi. D'accord, Joao Félix, c'est un petit joueur. Pas dit ça non sur la saison. Grand Bragnac, très grand Ludo Bragnac ce soir. Alors le problème c'est qu'au début il y avait une bonne analyse et après il y a de la mauvaise foi. Alors, c'est compliqué. Et parce qu'on voit. Expliquez-lui la vie. Et puis Vitinha, il a un Gundogan dans chaque orteil aussi. Non mais là on peut te rejoindre. Voilà. C'est que c'est vrai qu'il y a un nouveau Barça depuis. Okay. Merci. Écoutez-le. Depuis 2 mois. Mais globalement, ils font une saison qui est quand même pas terrible. Dans le jeu, c'est hyper décevant. Lewandowski, il y a quand même des périodes où il n'est pas là. Ils viennent d'enfiler 3 à l'Atlético Madrid. Sûr. Quand même. Et puis, ils ont pris 5 contre je ne sais plus qui en janvier. Et puis, en janvier, ils prenaient que des claques. Voilà, donc, sauf que là, qui revient un peu. À l'instant T, ils sont en super forme. Ils sont en bonne forme. Ils sont en super forme. Allez, laissez-le vous répondre. Et donc là, ils sont en bonne forme, effectivement. Mais je trouve que Paris arrive avec plus de certitude. Et même, je vais te dire, pour te rejoindre un peu, quelle certitude je pense, que Paris. Je comprends pas, il a mis favori qui, lui. Barça. Ah, c'est 55-45. Je pense, pour te rejoindre un peu, que Paris arrive même un peu en surconfiance. Je les sens un peu, peut-être, sous-estimer un peu ce Barça, qui effectivement paraît pas terrible sur la saison, mais qui a un peu de mieux.
Paris faut-il la Ligue des Champions? Vous les composez cette question. Paris faut-il la Ligue des Champions? Eh bien, ça dépend. Est-ce qu'on met une équipe B contre le petit Barça? Je ne sais pas. C'est un grec pour l'avoir. Non, il y a. La mini Amal, ce qu'il fait là, depuis quelques mois. C'est le frisson. Ça vaut aussi bien que ce que fait Dembélé. Mais ça vaut pas aussi bien que ce que fait Mbappé. Est-ce que Lewandowski fait, ça vaut pas ce que fait Mbappé? Il y a zéro crédit sur la scène internationale pour le Paris Saint-Germain pour dire qu'aujourd'hui, ils sont largement au-dessus et favoris. Et personne dit largement par rapport au Barça. Mais laissez-les répondre. Non, on a vu le Barça quand ils ont joué contre le Real en début de saison. En début d'année, c'était pas terrible. Dès qu'il y a eu des matchs contre Naples, c'était quand même pas hyper abouti. 3-1 quand même. Sur deux matchs, je suis d'accord. Mais c'est un Barça qui est prenable par rapport aux autres années. Et c'est un Paris qui semble un peu mieux que les autres années. Donc c'est là-dessus que, à mon avis, le rapport de force se joue. Et c'est pas très grave. Mais en quoi Paris est un peu mieux que les autres années? Parce qu'ils ont franchi un cap de plus même que le Barça. Avec la Real Sociedad. Non, mais c'était l'équipe la plus faible au tirage. T'as passé les groupes. Laissez répondre. T'as passé sur le fil du rasoir. Bien sûr. C'est de répondre à votre question. Non, mais tu parles en plus individuellement. Mais l'attaque du Barça, c'est Rafinha, Lewandowski et Yamal. João Félix. Derrière. Mais si, honnêtement, si je prends le quatuor ou les joueurs d'attaque du PSG. Il n'y a pas grand-chose à... Je vous ai bien entendu tous les deux. Là, ils veulent rentrer dans l'arène. Ils vont y aller. Officiellement. Swan, il était en train de gratter du pied, comme ça, là. Je vous vois, là. Non, mais Pierre est venu à la rescousse, de toute façon. Mais puisqu'il y a déjà eu un débat tactique... Je vous ai mis dans les cordes. On va aller sur un débat... Vous êtes dans les cordes? Non, franchement, je suis bien. J'ai faim, mais je suis bien. Et on va plus aller sur un débat autour de la langue française. Parce que moi, je ne dis pas que le PSG va avoir un match facile contre le Barça. Mais personne ne dit ça, je crois. Je dis pas non plus que le Barça est moins bien qu'en début de saison, parce que Ludo a raison, c'est tout à fait vrai, mais je trouve que c'est une question d'honnêteté et de se dire qui dit que le Barça est favori aujourd'hui face au PSG. Je comprends pas comment. Encore une fois, je ne dis pas que le Barça ne peut pas battre le PSG, mais je comprends pas comment on peut pas penser que avant cette double confrontation, au vu des saisons des deux équipes, même si le Barça va mieux, comment on peut penser que le Barça est favori de ce match? C'est plus ça. Je pense que le PSG n'est pas à l'abri du tout. Pas de mauvaise surprise. D'une mauvaise surprise. Mais par contre, votre question, elle est marquée ici. Ouais, juste qu'est-ce qui t'amène à dire ça, Swan? Le PSG est-il favori? Le PSG est favori. Quel crédit t'apporte à ça? C'est quoi? C'est l'avance en Ligue 1? C'est double confrontation contre la Sociedad? Déjà, tu parles d'opposition et je trouve que ça fait juste de parler, par exemple, du fait que le Barça est très bien avec un Gundogan qui est bon. Yamal, au final, tu comprends pourquoi ils ont lâché Dembélé quand t'as Yamal comme ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais déjà, tu regardes les prestations défensives et la défense du Barça, qui est 100% compatible avec l'intégralité des forces offensives du PSG. Ça, c'est ce que je te disais. Moi, je pense que Paris. Je pense que Paris va encaisser, par exemple. Ça, je pense qu'ils vont prendre un but, mais le Barça, ils vont souffrir aussi. Il y a des chiffres justement sur la série du Barça qui montrent pas forcément ça. Il y a une bonne défense en ce moment. Vous êtes avec Ludo, Jérémy. Au Barça, moi, je suis avec les chiffres. C'est ça que vous faites. J'ai vu un dépassé. Il a toujours raison. Le chiffre du milieu, le nombre de buts encaissés sur les 8 derniers matchs, c'est seulement 3. Alors, il marque beaucoup aussi. Donc, il y a vraiment une bonne forme à la fois offensivement et défensivement. On parle vraiment de la dynamique récente. On parle aussi des dynamiques de match. C'est-à-dire que tu peux penser légitimement que le Barça va essayer d'avoir le ballon, même au Parc, parce que c'est comme ça qu'ils ont envie de jouer. Et que tu vas avoir des phases de transition et que ça va être beaucoup plus difficile pour le Barça de défendre ces phases-là. Mais Camille, on parle d'attaque, on peut peut-être parler de Mbappé, oui, non? Oui, exactement. Est-ce que tu vas me défendre, Camille? Je vais aller dans le sens de Pierre et de Swan, exactement. Merci. Il y en a un qui a annoncé la couleur, en tout cas, chez nos confrères de TF1, c'est l'attaquant parisien Kylian Mbappé qui affiche toute sa détermination avant ce quart de finale de Ligue des Champions. C'est le moment pour les grands joueurs, donc je suis prêt et bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Kylian Mbappé qui est plus que motivé, il sait aussi que la saison de son équipe se joue maintenant. Chaque année à cette période-là, c'est un tournant de la saison. À la fin du mois d'avril, on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptible de faire, vu la dynamique qu'on a actuellement. Je suis sûre qu'on va tout donner. Après, le résultat, c'est dans les mains de Dieu. Bon, en espérant bien sûr que ce ne soit pas un coup du sort qui qualifie ou pas le PSG pour les demi-finales. Bon, Vicage Dorasso, vous écoutez avec attention. Vous savez, vous connaissez Vicage Dorasso dans l'émission. Il a une ardoise. D'un côté, il a oui. De l'autre, il a non. Et là, il hésitait et c'est tombé sur le oui. Vicage, pas la peine. Mais non, mais je parle pas, si tu veux. J'ai écouté Ludo et puis ça se tient largement. Moi, je pense que Gundogan est un joueur très, très, très important du côté du Barça. C'est un joueur unique et s'ils arrivent à gérer Gundogan, peut-être un marquage individuel sur lui, parce qu'il est insaisissable, il se passe dans des zones très compliquées et il apporte beaucoup. Et lui, il a gagné avec des champions récemment, donc ça va être un vrai problème pour le Paris Saint-Germain. Après, il y a Mbappé, après, il y a aussi l'arrivée d'un entraîneur qui a gagné avec des champions, qui a entraîné aussi l'équipe d'en face. Moi, je crois beaucoup à pas vraiment au niveau du PSG, mais pour une fois, ils arrivent
dans ce match-là, tranquille. Ils n'ont pas Marquinhos, mais le reste, Hakimi. C'est quand même Hakimi. La tête. Hakimi, Marquinhos sera là. Hakimi, pour une fois, ils ont quand même tout pour eux. Ouais. Habituellement, il se passe quelque chose, ça mais tombe sur le Paris Saint-Germain. Je sais que vous n'êtes pas un grand fan de la patte d'un entraîneur. Est-ce que la différence avec les autres années, possiblement, c'est Luis Enrique? Bah, il a réussi son pari. Il a réussi à amener cette équipe sans la suspension d'Hakimi. Les joueurs sont tous prêts, sont tous disponibles, sont tous à leur meilleur niveau. Après, ils tentent des choses. Moi, j'espère qu'il va tenter encore. Si bah, c'est, a priori, il va nous faire un truc, un coup tactique, arriver, non en quart de finale de Ligue des Champions à Barcelone, contre Barcelone, et pas oser et tenter. Bah, vous n'y croyez pas, il va forcément préparer un on truc. On va non voir, j'espère. Bah, je sais pas, non, préparer, en tout cas, il avait peut-être une idée derrière la tête sur comment contrer peut-être un Gundogan. J'imagine que si nous, autour de la table, tous les sept, on est en train de se dire il faut un plan anti-Gundogan, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. J'imagine que lui a réfléchi à ça, Ludo. J'imagine que c'est dans sa tête depuis des semaines, non? Bah, s'il y en a bien qui connaît cette philosophie-là, c'est lui. Donc, il doit avoir, évidemment, les plans pour contrecarrer cette philosophie-là. Vous avez raison de rappeler que c'est l'entraîneur de la remontada de l'époque. Il connaît parfaitement le Barça qu'il a dans les veines. Vous avez hâte de vivre ce match-là, là, tous les quatre? Je peux vous répondre franchement, ouais. J'ai plus sa tête demain soir. Pour le Real City? Ouais. Mais je serai là mercredi soir aussi. Moi, j'ai très hâte, j'ai très envie qu'Mbappé marque l'histoire de ce club-là. Il se fait maltraiter. Les supporters pratiquement trouvent parfois que c'est juste ce que fait Enrique, qu'il n'est pas au-dessus du club, alors qu'il a donné tellement. Et j'aimerais qu'il parte avec la Ligue des Champions. Ludo, vous êtes hypé. Certes, mais moins qu'à l'accoutumée. Comme si, vous voyez, les deux équipes sont moins à leur... Alors, summum, j'ai connu des je trouve que dans le fait d'en parler, il y a une moindre magie qu'avant. Parce que le Barça dominait son sujet, parce que le PSG, il y avait peut-être plus de stars et plus de... On s'attendait à ce qu'il y ait une réelle confrontation. Là, c'est plus une confrontation des collectifs que des individualités. Donc, ça change un peu la manière dont on va appréhender ce match-là, mais j'ai hâte qu'il arrive. Il y a aussi le fait que les derniers PSG-Barça étaient un peu dominés par le PSG de tête, celui où Mbappé met un triplé. Oui, il y a eu 4-1 au Barça. Voilà, à Barcelone. Et du coup, ça a un peu déprécié, je trouve, la rivalité, parce qu'on a vu que le Barça était quand même beaucoup moins fort qu'avant. Il y avait une espèce de renouveau à faire et Paris était un peu en plein boom. Et là, moi, j'ai l'impression que vraiment que Paris est quasiment trop favori. Quoi. C'est ça qui m'intéresse dans ce match-là, c'est que j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu le Barça. Donc ça peut être une surprise, ça peut donner un match intéressant. Effectivement, au lieu de le rappeler, contre la Sociedad, ce n'était pas non plus une partie de plaisir. Donc là, le niveau va quand même, l'air de rien, s'élever un petit peu. Vous imaginez bien que l'impression qu'on a de l'extérieur de sortir le PSG peut-être trop favori, ce n'est pas ce qui va se passer dans le groupe. Le rôle de l'entraîneur, c'est justement de préparer ce match, avoir peur de l'adversaire pour préparer la stratégie. Ça vous pensez qu'il est au top pour ça, Luis Enrique, par exemple? Ces joueurs-là sont quand même des grands champions. Même si les expériences récentes ont montré qu'ils pouvaient s'effondrer, normalement, là, sur un match comme ça, la préparation mentale, elle va être au top du top. Enrique, il va envoyer l'énergie qu'il faut pour passer ce quart de finale. Bon. Y a un mot quand même à dire sur ce PSG-Barça. Vous l'avez évoqué, je voudrais qu'on s'arrête une minute dessus sur Luis Enrique, qui a donc été formé, enfin pas formé, en tout cas qui a le Barça dans le sang, qui était le coach de la remontada. Est-ce que vous pensez qu'un garçon qui a autant d'expérience peut avoir des émotions qui le dépassent dans une telle confrontation? Est-ce qu'il est capable, lui aussi... De se rater? Non, pas de se rater, il faut être positif, de se sublimer et de faire fi du Barça en face. Mais évidemment. De même de trouver d'autres astuces. Le plus grand magicien de l'ère que l'on vit, c'est Guardiola. Combien de fois sur une espèce de pensée d'amélioration, de perfection supplémentaire, il va sortir quelque chose qui va complètement où il va complètement passer à côté et combien de temps il a mis pour justement arriver au Graal ça peut arriver à n'importe quel entraîneur d'avoir ça justement. C'était pas de l'émotion, c'était plutôt de l'ego, ouais. Du côté de ouais, je sais pas de Guardiola, c'était quoi. Vraiment lui qui voulait gagner. Enrique, il a aussi il a fait Barça Real par exemple. Les émotions, à mon avis, il s'est géré. Si, mais il a fait les deux clubs, ça voulait enfin ah bah ouais, les trois maintenant. Les émotions, il a de l'ego. Il a envie, il a pas envie d'expérimenter. Ah, moi, je suis jamais à l'abri. Aucun entraîneur est à l'abri. On continuera d'en parler. Pierre, le mot de la fin? Non, mais ça peut aussi être le cas de Xavi. C'est-à-dire que Xavi, c'est peut-être aussi le match qui peut un peu faire passer son passage au Barça. Il a quand même gagné une titre l'année dernière et c'est pas rien de gagner la Liga avec ce Barça l'année dernière. Ça peut aussi être un match un peu révélateur pour lui, un truc qui le place un peu sur la scène des entraîneurs où il fait un coup, un truc, parce qu'il sent quand même le jeu, il a quand même des références. Donc,
Jérémy, est-ce que vous avez une dernière stat ou est-ce qu'on va pouvoir jouer? Oui, on peut regarder rapidement. Allez-y. Je pas, Jérémy. C'est une stat contre Swan. Les possibilités pour remplacer Hakimi au poste derrière droit. On a préparé deux compositions, avec l'une avec Zaïre Emery, l'autre avec Marquinhos. On veut regarder à quoi ça peut ressembler avec Marquinhos en arrière droit. On a proposé Beraldo et Lucas Hernandez dans l'axe avec Nuno Mendes à gauche. On met aussi Barcola. Arrêtez de souffler. En attaque parce qu'il est dans l'équipe type normalement, il s'est entraîné. On rappelle que ça peut aussi être évidemment Gonçalo Ramos ou Kolo Muani. Dans l'autre composition d'équipe, Zaïre Emery il passerait du milieu de terrain au poste de latéral droit. On aurait donc Kanginli au milieu et puis on ferait décaler Lucas Hernandez à gauche. Il y a toutes les options qui sont possibles, évidemment. On ne sait jamais sur laquelle va... De toute façon, on sait qu'on va se tromper. Non, mais vous pouvez me montrer toutes les compos, c'est lui qui décidera. On n'en a pas mis une seule dedans et personne, hein, et aucun média. Et lui, il regarde tes compos, il dit « je ne vais pas faire ça ». C'est ça, je le soupçonne. Est-ce que le PSG doit systématiquement gagner son match aller face au FC Barcelone? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc entre le PSG et le Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fort, on est parti. Alors, est-ce que le PSG doit obligatoirement gagner son match aller? Puisque il y a beaucoup de personnes qui disent que non, le PSG n'est pas obligé de gagner, même un match nul, il peut aller gagner au Camp Nou, il peut aller gagner au Barça et tout. Les amis, tu dois gagner au match aller. Tu joues à domicile. Tu dois gagner au match aller. Les amis. Tu joues à domicile devant ton public. Tu penses que si tu ne gagnes pas ton match aller à domicile, tu penses que ça à l'extérieur que tu vas aller gagner avec la pression, avec toute la pression qu'on connaît là, avec toutes ces pressions là, lorsqu'on sait que mentalement ce PSG là craque, est-ce que c'est à l'extérieur qu'ils vont gagner? Je rappelle ici qu'en phase de poule, le PSG n'a gagné aucun match à l'extérieur. Le PSG, cette saison, en dehors peut-être de la Real Sociedad en 8e de finale, le PSG n'a gagné aucun match à l'extérieur. Et on parle d'une Real Sociedad malade qui était environ sur 2 mois sans gagner le moindre match. Donc, c'était vraiment une Real Sociedad qui était vraiment moins bien. Sinon, dans le reste, dans les phases de poule, le PSG n'a pas gagné un match à l'extérieur. Et ça, c'est une information à prendre en ligne de compte. Le PSG doit considérer cette information-là. À l'extérieur, ils sont mauvais. Face à Newcastle, ils se sont fait déplumer, désosser. Ils ont été dépassés par l'intensité. Donc, moi, je pense que tu dois obligatoirement gagner ton match aller si tu veux espérer te qualifier pour les demi-finales. Tu dois gagner ton match aller. Tu n'as pas le choix. Si possible, même avec au moins 2 buts d'écart. Si possible, avec au moins 2 buts d'écart, les amis. Parce qu'avec le PSG, tout est possible. Même avec 2 buts d'écart, tu peux arriver au Barça, tu exploses, peut-être 3-0, 4-0. Mais déjà, avec 2 buts d'écart, c'est pas mal. Donc, tu dois gagner ton match aller pour te mettre dans les bonnes conditions, pour avoir de la confiance et tout. Franchement, c'est hyper important pour moi de gagner son match aller, surtout que tu joues à domicile. Le PSG joue à domicile. Si le PSG joue à l'extérieur, je pouvais dire non, tu joues peut-être au Barça, prendre un match nul, c'est une bonne affaire et tout, sachant que tu vas jouer au match retour à domicile, mais tu vas jouer au match retour au Barça. Donc, tu dois gagner ton match aller chez toi. Donc, pour moi, c'est obligatoire de gagner son match aller. C'est obligatoire, les amis. Maintenant, je voulais aussi parler d'un joueur qui est en train de monter en puissance. Je pense notamment à Vitinha. Vitinha, je trouve que ce joueur, il a pris du galon. Il a pris du galon, les amis, Vitinha. C'est un joueur qui est arrivé au PSG étant un peu timide. Maintenant, je trouve qu'il prend un peu du lead. Il prend du leadership. Il devient de plus en plus consistant dans ce match. Il marquait des buts. Il a une bonne vision du jeu. Lui, c'est vrai qu'il
commence déjà à lui donner les clés du match, les clés du camion. C'est un jeu vraiment qui peut être le facteur X de ce Barça PSG, les amis. Vitinha. On l'a vu au match aller. Au match aller, lorsque Luis Enrique a repositionné Vitinha en sentinelle, ça allait beaucoup mieux pour le PSG, puisque sous pression, il est capable de ressortir le ballon proprement. Il est capable de ressortir le ballon proprement. Ce que faisait un peu Marco Verratti. Marco Verratti le faisait un peu, mais je trouve que il est en train de prendre petit à petit les clés du camion, les amis. Il a un très bon état d'esprit, une très bonne mentalité. Il parle français, il fait les efforts en français. Franchement, c'est vraiment marquant ce jour, les amis. Moi, je trouve qu'il est en train de prendre une autre dimension avec ce PSG-là. Et ça peut aussi être le facteur X de ce match, de ce PSG-Barça. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce sont soutien, très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.